Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour, il me semble, l'épisode numéro 6 de notre aventure sur Assassin's Creed, premier du nom. Et je reprends ici, enfin je reprends plusieurs jours après, hein, quasiment une semaine. Mais je veux dire, je commence à enregistrer ici parce que je suis jamais, enfin j'ai jamais fait gaffe à ces ruines en fait. Donc je suppose que ce sont des ruines qui ont été prises par, je sais pas, les armées musulmanes, j'en sais rien, parce que comme vous pouvez le voir au sol, il y a des cadavres de templiers. Je sais pas ce qu'ils font là. C'est vrai que j'ai beau avoir fait le jeu énormément de fois, je suis jamais passé par là et j'ai jamais prêté aucune, mais alors vraiment aucune attention à cet endroit là. Enfin bon, c'est pas très grave, mais je voulais prendre ici et puis je me suis dit wow, j'ai jamais fait gaffe à ça, c'est bizarre. Et là, je vois où on est. Et Acre n'est pas... Enfin, si, elle est un petit peu loin quand même, la cité d'Acre. Mais bon, c'est pas comme si elle était à 3000 pieds, quoi. Donc, ah oui, putain. Ah, je me souviens un peu de tout ça, tiens. Ah là, si, là, je m'en souviens. Ouais, donc c'est à gauche. Et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va aller en direction de Acre, qui sera la troisième ville de ce jeu. Après Jérusalem et Damas, je crois que c'est Damas, enfin je sais plus si on dit Damas ou Damus, enfin bon, c'est pas grave, ça doit différer selon les langues je pense. Donc ouais, on part vers la troisième ville qui est Acre, enfin quatrième si on compte Masyaf, mais à Masyaf il n'y a pas tellement de missions donc je la compte pas. Encore, quoique on peut la compter quand même parce qu'il y a des missions au début et à la fin. Bon, à noter encore que les paysages sont vraiment magnifiques. Bon là je dois plus être très loin quoi, ça reste de la ligne droite, ouais, c'est parfait. Ici il y a une tour à prendre, mais on la prendra peut-être plus tard, j'en sais rien. Ok, on est vraiment pas loin. Donc Acre c'est une ville vraiment différente des deux autres. Hein. C'est une ville plutôt chevaleresque, à l'époque médiévale, c'est pas la même, les mêmes structures que les deux précédentes. Hein. Ouais, c'est vraiment différent, c'est plus axé sur sur le médiéval, c'est vrai. Alors, bon chargement, si tu pouvais terminer, merci. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ouais, c'est un petit peu lugubre aussi là, l'ambiance, hein, il fait noir, enfin pas noir, mais il fait gris, l'ambiance elle est maussade, j'ai envie de dire. Même si c'est pas tellement, oups, même si c'est pas tellement le mot approprié. Ok, il y a tous mes copains qui arrivent, coucou. Et l'entrée de la ville, ça montre vraiment bien qu'on est dans une cité médiévale, j'ai envie de dire. Parce que en général, dans les cités médiévales, t'as quoi? T'as voilà, t'as des rondins de bois qui sont en forme de pique. Et puis, c'est tout ce qu'il y a, en fait. Pour bien symboliser que c'est un endroit fermé et que tu n'auras jamais... Que tu veuilles le prendre ou non, tu l'auras pas, quoi. Vous arrêtez de taper mon cheval. Ok, les mecs, oh, faut se calmer, maintenant. Mec, j'ai dit quoi? Faut se calmer. Mais à peine j'arrive, ils veulent me taper quoi. C'est quoi ces sauvages? Pas taper? Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Assassin's Creed 1 ou même à un Assassin's Creed parce que j'ai terminé le 3 aussi. Il est bien, mais il est assez bizarre. Je pense que j'avais déjà dit, la fin est assez what the fuck. Allez, hop là. Oh que je suis méchant. J'adore vraiment, c'est dommage par contre qu'ils aient changé la posture des assassins à partir du 2 en fait. Parce qu'à partir de... Ah, je peux pas encore contrer ça. Ouais. À partir du 2, ils ont changé la posture de combat des assassins, genre de Ezio par exemple. Et je crois que Connor c'était pareil. Enfin Connor, vu qu'il peut changer avec ses couteaux. Enfin Ezio aussi, mais plutôt avec ses lames. Ah, je peux rien faire à ça. Ouais non, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas laissé cette posture parce que c'était vraiment une posture que... Oh oh! C'est une posture que j'adorais moi, celle-là, comme ça. Pas celle-là, mais l'autre. Bon, tant pis. C'est moi ou la musique elle bug? Ah non! Bon, je croyais qu'elle buguait parce qu'elle partait dans un délire assez bizarre. Voilà. Je t'ai vu venir, mec. Allez, bute-le.
Voilà. Putain, ça aurait pris du temps, hein. Ok, on est déjà à 5 minutes de vidéo, j'ai fait un affrontement, c'est génial. Par contre, il n'y avait pas quelqu'un à sauver ici? Ah ouais, d'accord, ok, salut. Salut. On va essayer de finir rapidement parce que... C'est pas que j'ai envie de continuer la suite, mais si un peu. Mais pour ça, faut déjà que je bute tous ces templiers à la con. Oh là là là. Revenez. Regarde, je danse. Voilà, tu vois quand tu veux. Hop, il est mort. Et lui aussi. Ok, tu veux pas mourir, c'est ça? Ah, si t'es obligé. Voilà, on a sauvé un prêtre. Bon, normalement j'aurai le droit à des érudites. Des érudites, pardon. Donc c'est toujours les mêmes érudites, sauf que c'est avec un costume blanc, toujours, ouais. C'est juste les personnes qu'on sauve qui sont pas en blanc. Cette fois-ci, ils seront en noir. Et donc, putain, ça prend trop de temps. Poussez-vous, merci. On va y aller pour une fois. On va y aller en mode I don't care. Et voilà. Je m'en fous, j'y vais. Alors, non, c'est de l'autre côté, c'est vrai que. Oh oh. Ouais, un mec qui prie en haut, qui se fait parpérer, c'est normal. C'est normal. Ok, normalement, je me fais pas voir. Ok, j'ai rien dit. Voilà, bienvenue à Acre. C'est vraiment médiéval, c'est avec de la pierre, c'est beaucoup de pierre. Bah château quoi, cité, château. Et puis voilà quoi. Donc allez, je vous le cache pas, elle est beaucoup moins accueillante que les deux autres, hein, on va pas se mentir, regardez. C'est vraiment lugubre, hein. C'est triste aussi dans un sens. Enfin, moi perso j'ai trouvé que la ville était triste. Pas qu'elle était pas belle, mais elle est triste. Et ça nous met bien dans le contexte. Dans le contexte, pardon, médiéval. Et un petit peu aussi dans le contexte du fait que ce sont les Templiers qui dominent. Car je vous rappelle quand même... Putain, Altair est bugué, c'est cool. Je vous rappelle quand même que les Templiers ont le même objectif que les Assassins, mais veulent l'accomplir différemment. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas compris ça. Que ces deux camps ont le même objectif, mais les Templiers veulent mettre les gens... Enfin, veulent la liberté, mais en instaurant la force et la crainte... Enfin, ils veulent que les gens soient libres, mais à condition qu'ils se fassent craindre, les Templiers. Qu'ils aient le pouvoir absolu, alors que les Assassins veulent aussi la paix et la liberté, sauf que tout le monde est libre. Donc c'est bien pour ça que les deux se fightent. Oui, mais par contre... Ouais, c'est vrai que je me balade sans savoir où je vais, mais il faudrait peut-être que je trouve un point de... Comment dire un point de hauteur, là. Parce que sinon, bah, je peux tourner en rond pendant des heures. Hein, voilà. Ok. Attention! Fais dodo. Oh merde. Non, me dis pas qu'il m'a vu. Non, 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 non. Ouais, ouais, j'ai... Oui, oui. Et merde. On va le tuer. J'adore, enfin j'adore aussi cette ville, honnêtement. Il est où lui? Ouais, bah toi non plus en fait. Oh, voilà. Mec, t'es bloqué, t'es bloqué, t'es bloqué. Bon. Voilà, alors, tu te prends le mur. Et basta. Ouais, donc disais, j'adore cette ville parce que bah l'époque médiévale pour moi, je trouve que c'est cool. Je trouve vraiment que c'est une époque intéressante. Et enfin pas médiévale en elle-même, mais ce genre d'ambiance, ce genre de structure, je trouve que c'est joli. Voilà. Et ça ferait penser aussi un petit peu à la cité de Minas Tirith dans un sens. Enfin je sais que la ressemblance est pas tellement flagrante, mais Star Wars là me fait penser à l'arbre de Minas Tirith dans le Seigneur des Anneaux, je sais pas pourquoi. Sinon la ville moi me fait penser, vraiment me fait penser à la cité qu'il y a dans Prince of Persia, bah, Babylone, voilà, dans Prince of Persia 3,
les deux royaumes. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc maintenant qu'on a... On sait où se trouve notre QG, bon, on va y aller, écoutez. Hein. Quoique, il y a des... Il y a des... Ah ! Il y a des gens à sauver. Salut Kaito ! Ok, ils sont 4, c'est pas méchant. C'est vrai que le système de combat est pas forcément facile. Quoi. Genre comme ça, faut être réactif, vous voyez. Sinon, on se prend, bref. On se prend des fris. Ah, mais... Des coups gratuits. C'est... Putain, en bas 1, il y en a 5 qui viennent. Quoi. Mec, je t'ai vu venir, mais ça a pas paré. Pourtant, j'ai demandé de parer, mais bon, c'est pas grave. Normalement, t'es mort. Voilà. Putain, il y en a combien? Ouais, madame, non, te mets pas ici parce que... Oh, il y a un archer pas loin. Putain, mais... Arrêtez de m'emmerder. Non, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche la merde? Tout ça parce que je suis noir ou c'est ça? Non, je déconne. Non, j'ai pas demandé de sauter là. Bon bah écoute. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on a fait une entrée fracassante dans Acre. C'est génial. Il est où ce garde qui me méprise comme ça là? Ah ok, il y en a deux là-haut. Voyons en mode je prie. Oui, j'arrive madame, je t'ai sauvé, j'arrive. What? Ah voilà. La chance me sourit aujourd'hui. Oui. Dieu seul sait ce que ces hommes auraient pu faire. Vous êtes arrivés au bon moment. Merci. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Bon, alors, on a le droit à des alliés. Ce qui est vachement cool. J'adore particulièrement, comme je disais, l'ambiance de cette ville parce que... Ça fait penser à... Bah en fait, là, dans cette ville, quand t'as compliqué de choses, t'as vraiment l'impression de servir, en fait. T'as vraiment l'impression d'être un héros, alors que dans les deux autres villes, je sais pas, j'ai l'impression que peu importe ce que tu fais, ça change pas grand-chose. Alors qu'ici, oui, ça change quelque chose. Puis, je trouve que... Même si ce jeu se passe pendant les croisades, principalement de Jérusalem, on va pas se mentir, je trouve que... Ils ont bien fait d'instaurer une ville qui n'a rien, mais alors rien à voir avec les croisades quoi. Enfin moi je trouve que cette ville a rien à voir avec les croisades. À part le fait que c'est Acre et qu'ils ont participé à ça, mais c'est tout. Sinon les structures et tout, l'époque de cette ville en elle-même, je trouve qu'elle a aucun rapport avec les croisades. Mais ouais si, Acre a quand même participé aux croisades, mais la ville en elle-même, je trouve que ça n'a rien à faire là. Ah oh. Ouais, je me suis fait un peu mal. Mais ouais, c'est vrai que j'adore cette ville. Enfin bon. Donc on va aller au QG. Donc j'ai dit que je ferai tout ce que je peux pour éviter que vous vous lassiez. Parce que je sais que ce jeu est un excellent jeu. Mais son point faible, c'est qu'il est énormément répétitif. Et ça peut être un point faible qui peut faire la différence et qui peut faire chier beaucoup de monde. Donc j'essaie vraiment de... Bah, de faire en sorte que vous ennuyez pas, quoi. Ah, Altaïr. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mualim a ordonné l'exécution de Garnier de Naplouse. Alors me voilà. Que peux-tu me dire à son sujet? Il est le grand maître des chevaliers hospitaliers. Et il a dû s'établir dans leur quartier. N'en sais pas beaucoup plus sur lui. Va te promener dans la cité et essaie d'interroger les habitants. Dis-moi où les membres se retrouvent et je me débrouillerai. Commence par les jardins publics, ou du moins ce qu'il en reste. Ils sont situés au nord. Le marché abandonné au nord-ouest mérite également ton attention. Sans oublier l'église Marie-Joseph, à l'ouest, qui elle aussi est très fréquentée. Ces trois lieux devraient suffire à te mettre sur la voie, mon ami. Merci pour ces informations, Rafik. J'en ferai bon usage. Ça, je n'en doute pas. Bon, eh bien, on est parti. Alors, on va devoir récolter quelques informations sur notre cible. D'ailleurs, j'ai même pas retenu le nom, tellement il est bizarre son nom, je sais pas. Là, on va devoir récolter des infos et sauver des citoyens, je crois. Donc voilà, c'est ça le point faible du jeu. Ok, on va...
Oups. J'ai vu qu'il y avait un garde derrière moi. J'ai intérêt à monter vite fait. Ouais, donc je prends ce point et normalement il y a des missions qui apparaîtront parce que là je suis un petit peu loin pour en trouver et j'ai aucune vision en fait, c'est surtout ça le souci. Mais j'ai pas demandé ça. What? C'est quoi ce bug? J'ai rien fait, j'ai juste avancé. C'est magnifique. Je pense que c'est super. C'est super. C'est génial! Oh là là là. C'était par où du coup? C'était par là. Alors j'ai vraiment pas compris ce bug. Oui, c'est un bug, j'ai pas d'autre mot. Et pourquoi maintenant? Quand je suis tout en haut? Pourquoi quand je suis tout en haut? Pourquoi? Bon, on y retourne. Putain, mais ce serait trop demandé de m'appliquer en fait. Ouais, bon, toi, attends, je vais te faire ta fête. Voilà, maintenant tu te tais et tu fais dodo. Templier à la con. Ok, donc pas loin, il y a un traître qui dit des conneries sur les assassins pour que le peuple écoute son maître. Ok, enfin leur roi plutôt. Ouais, des conneries en gros. Alors, par contre, là, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Voilà. Non, calme-toi. Voilà. Là, c'est... Alors, maintenant qu'on a un point d'observation, normalement, on peut avoir accès à des missions. Ok, parfait. Par contre, est-ce qu'on peut sauter? Oui. Hop, on va aller de ce côté pour une mission, je crois, où est-ce qu'il faut dérober un objet. Je suis pas sûr. Ce problème doit être réglé maintenant. Il faut remplacer ces cordes, elles sont rongées. Si nous attendons encore, nous risquons l'accident. J'ai compris, mais j'ai aussi plusieurs maisons à reconstruire. Les habitants, je m'en moque. Ils ne sont bons qu'à geindre et à se plaindre. Les chevaliers, eux, se sacrifient afin que nous puissions vivre en paix. Mais ils ne savent pas où aller et les pluies arriveront bientôt. Je ne te le redirai plus. Obéis aux ordres ou tu seras mis au fer. Oui, maître. Enfin des paroles sensées. Bien, tu as les plans, alors maintenant, mets-toi au travail. Ok, on va devoir dérober des plans. Alors... vas-y, marche. Voilà. Ok. On s'est procuré la carte. Maintenant... il faudrait qu'on trouve une autre mission. Attendez. Non, c'est pas ça. Y a pas une autre mission dans le coin, là? Ah non. Bizarre. On va aller secourir un citoyen de nouveau. Ok, ça c'était rapide. Merde, j'ai oublié de verrouiller mon ennemi, c'était un petit effet du coup. Ok, bon, toi t'es mort. Du coup, je crois qu'il va falloir que je reprenne un point d'observation. Parce que sinon je pourrais pas trouver les prochaines missions. Je pense, hein. Du coup, ouais, on va essayer de finir ça rapidement. J'ai bien dit rapidement. Putain, mais barrez-vous, je sais pas, moi, c'est moi faire. Wow, il a bugué le mec. Il a bugué, sérieux. Alors, t'es où? Ah, t'es là. La chance me sourit aujourd'hui. Dieu seul sait ce que ces hommes auraient pu me faire. Vous êtes arrivés au bon moment, étranger. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Un assassin!
Qu'as-tu donc là? Le sieur n'avait point de pièce, juste un tube. Tout ce que j'ai trouvé dedans, c'est un morceau de papier avec des choses dessinées dessus. Espèce d'idiot, ce sont des mots et des lettres. Pourquoi cet homme-là a mis des mots et des lettres dans un tube? C'est du gâchis, je te dis. C'est peut-être important. Donne-moi ça, que j'y jette un œil. Oh, ça sûrement pas. Tu me le chipperas pas comme l'autre fois. Faut pas s'énerver. Amuse-toi tout seul, alors. Ok, on va devoir lui voler son tube. Ok, why not. Vous allez me laisser tranquille, oui. Ok, on lui a volé le truc. Hop. Et on va... Ah bah c'est bon. Je crois qu'on a réussi l'émission. Ok, donc on va se laisser ici, les gens. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et au prochain épisode. Salut. Fiche le camp. Vous ne comprenez pas, mais je...